Opening with an 8. Nice shot. 10 points. Il suffit de faire au moins 8 points pour remporter le set. 10 pour le set. 10, 10, 10. Félicitations. Première manche remportée. Solid opening for our Italian archer on target 16 as we're underway. 30 points for Mr. Moran, Mr. Barrera with 27. Junior recurve men category here in need 2011. La règle bien sûr identique à celle que vous avez pu suivre précédemment. Il s'agit de remporter 6 points pour le set. Il n'y a pas de cumul. Donc ce premier set est acquis, mais en aucun cas, Quentin est en difficulté pour l'instant. Il va falloir simplement trouver le rythme pour rentrer dans ce match. Pour le Rennais. Donc, comme il a concédé le set et qu'il est en retard dans le match, c'est lui qui va démarrer à nouveau sur la cible 17 pour ce second set. So 2 set points on target 16 for Mr. Moran of Italy as we're about to get back underway. This way, Mr. Barrera shooting first on target number 17. He's trailing by 2 set points. And so it's 2-0 at this time. De quoi prendre confiance. Le set est remporté sur la cible 17. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas reprendre la pièce 10. Donc nous aurons une égalité de 2 points partout. Each player with 2 set points for the draw. We'll go back to the original shooting order after score. Un système de set nouvellement mis en place. C'est l'approche un petit peu différente de l'ancien système de cumul des points, puisque vous remettez à chaque fois les compteurs à zéro. Et la mobilisation n'est pas tout à fait identique. À l'issue de ce second set, les deux archers seront à égalité.
2 points for each competitor. We're back to square one. There could be as many as 3 more ends required to decide this set, and we're back underway. Donc les valeurs définitives des flèches pour savoir si nous aurons
Ce 5-7 qui semble se dessiner. Sauf erreur, nous devrions avoir 5-3. Great performance from these two young men right now. We have 29 points for each, forcing a draw to continue. Or excuse me, it's now 5 set points in favor of Luca, and it is 3 for Mr. Guerrero. So Luca has got to, or I should say that Mr. Guerrero has got to take the next set to keep this alive. Voilà, la confirmation 5-3. Donc la règle est simple. Notre représentant breton doit l'emporter sur ce set pour espérer aller chercher le barrage. On a vu ce dernier set, ce précédent set était très serré, 29 partout. Il a su aller chercher le vice quand il fallait. This match, if he forces a draw or if he wins it outright, Quentin can continue the match and keep it alive, force the shoot off if he takes this next set. Allez, sous vos encouragements pendant les 10 secondes, on dispose Quentin pour se préparer à sa première touche de cette ultime set. Une petite vingtaine de minutes, vous pouvez vous détendre, vous pouvez aller vaquer vos occupations, voir un petit peu.